Pour moi, c'est un challenge parce que ça permet de découvrir des romans que peut-être je n'aurais pas pu lire. C'est aussi un challenge parce que ça permet de se plonger encore plus fort dans la lecture et d'essayer d'analyser beaucoup plus les mots qu'on va lire, plus qu'une lecture de vacances qu'on fait d'habitude. Et c'est vrai que la perspective de rencontrer éventuellement l'écrivain est la petite cerise sur le gâteau. D'accord. Alors vous allez lire comment ces livres? Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Et c'est l'été. Alors vous allez lire ça sur la plage en vacances? Je vais pas à la plage, donc ça me permettra de les lire au bord d'une piscine je prends mes vacances au mois de juillet, donc je prendrai le mois d'août pour les lire tranquillement chez moi, et pourquoi pas les relire d'ailleurs en septembre pour bien analyser et essayer de donner un avis le plus subjectif possible sur ces livres. Vous êtes vraiment dans l'analyse alors? C'est presque un devoir scolaire que je vais m'imposer. Vous avez déjà une petite idée d'un livre qui pourrait vous intéresser en particulier parmi les 8? Je crois qu'il y a un livre qui parle des poilus, il me semble, en tout cas je crois que c'est une histoire avec des poilus qui viennent de la Seconde Guerre mondiale, donc ça, c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser pas mal.